Salut à toutes et à toutes, aujourd'hui sur Kubakino Life, je vous proposais un tuto sur ceux qui avaient pu le voir dans ma vidéo comment faire une belle color correction tout sur Sony Vegas, le petit truc, le tuto pour avoir un beau truc en bas à droite de l'écran, donc les petits gadgets. Alors ce qu'il faut savoir avant de faire la vidéo, c'est que on vous propose gratuitement de gagner un cadeau sur Kubakino Live qui sont des stickers pour donner un nouveau skin à votre manette Xbox. Je vous montrerai des photos à ce moment-là. Donc pour participer, rien de plus simple, il vous suffit juste de poster un commentaire en description et après je m'engage à vous l'envoyer, etc. Donc revenons sur le tuto, donc vous avez téléchargé l'archive qui se trouve dans la vidéo. Vous allez l'ouvrir avec WinRAR ou 7-Zip. Vous extrayez, je sais pas comment on dit, tout sur votre bureau. La petite fin de chargement. Donc, hop, voilà. Là, il déplace tout. C'est mon nouvel ordinateur, donc ça va un peu plus vite, sachant que là, je suis en train de mettre une vidéo sur YouTube, donc ça fait un tout petit peu planter. Donc, vous allez exécuter le setup. Donc, next, next. Ça c'est bon, donc après 64 ou 32 bits en fonction de votre ordinateur. Hop. Voilà, et là vous faites même pas run meter. Vous le chargez même pas pour le moment. Donc en fait c'est ce programme qui va se lancer si vous le choisissez au démarrage de votre ordinateur qui va permettre de beau skin. Donc pour le moment vous allez dans votre ordinateur, disque local C. Moi je crois que je l'installe là, voilà, vous allez dans Remater et là vous allez copier le dossier plugin. Donc vous faites oui, vous faites appliquer, maîtrise choix, déplacer, remplacer, vous faites oui, tac. Donc là voilà, je crois que ça c'est déjà fait. Donc ensuite vous allez dans vos documents, Remater, skin, moi j'en ai déjà normalement, je crois pas que vous en ayez, vous dépassez Twijo. Voilà. Nickel, donc maintenant vous pouvez supprimer ça. Donc maintenant vous allez lancer RunMeter. Hop, hop, hop. Là, comme c'est la première fois, voilà. Bon, moi sur mon PC, il me dit truc not found, mais normalement chez vous ça devrait aller. Oh là, je m'excuse vraiment pour vos oreilles là. Attendez, vous savez, voilà, je vais couper le son. Bon, voilà, ça on s'en fout. Imaginez que vous l'ayez pas. Oh putain. Bon, attendez, vous savez quoi? Vous allez dans. Donc là, donc quand vous faites clic droit sur Animator, vous voyez tout ce que vous avez. Donc ça, c'est ce que vous avez actuellement sur votre bureau. Donc normalement, vous, je crois pas que vous ayez quelque chose. Moi j'ai déjà des trucs tout pourris que je vais barrer. Oh, pourquoi il me l'a fermé? Moi je m'excuse vraiment, c'est un tuto fait à la va-vite, mais comme j'ai pas mal bidouillé dessus, bah, j'ai fait pas mal de conneries au passage. Hop. Voilà. Donc maintenant vous allez dans config, bam, Windows, ouais. Config, Twijo, et après vous allez choisir ce que vous allez mettre. Donc par exemple l'horloge, vous avez deux choix, vous avez celle-ci. Donc après vous cliquez, vous déplacez. Donc faut bien cliquer sur le truc par contre et vous la mettez où vous voulez. Donc, après c'est pareil pour le reste. Hein. Il y a quand même pas mal de trucs sympas. Je crois que c'était voilà la RAM de votre PC, etc. Voilà là, hop. Après, il y a à mettre dans différents angles de votre ordinateur. Ça, vous pouvez le mettre en haut à droite. Après, c'est à vous vraiment de donner ce que vous avez envie de donner. Sachant que si vous tapez Rainmaker sur Google et que vous prenez le premier lien, eh ben, vous allez aussi avoir de nouveaux thèmes, quoi, pour avoir des trucs encore plus sympathiques. Moi, je suis pas allé chercher bien loin, hein, mais sinon, voilà, quoi. Vous la voyez, CPU. Ça donne vraiment quelque chose de sympa. Après, quand vous avez tout fait, ça prend un peu de temps. Et au moins après vous faites démarrer à chaque démarrage de PC et c'est bon quoi. Donc voilà, c'était un petit tuto rapide plus le concours. Donc j'espère que ça vous a plu. Si vous avez aimé, si ça vous a aidé ou quoi, si ça vous a plu, n'hésitez pas au moins à cliquer sur j'aime. C'est juste un clic.
Et vraiment, c'est vachement encourageant pour la suite, quoi. Donc voilà, merci beaucoup. Et à la prochaine, allez, bye bye.